Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Aventures Scrap de Claire. Donc là, on fait une petite vidéo un peu spéciale. Vous allez me prendre pour une psychopathe, je sais. Mais en fait, j'étais en train de regarder tout ce que j'avais de chez Action, encore neuf, emballé, qui n'a jamais servi. Donc je vous mets ça, la vidéo comme ça, vous allez voir. Donc par exemple, j'ai acheté tous ces espèces de pads. Donc ça, c'est les nouveaux. Et ça, c'est les autres qui étaient sortis juste avant. Donc les anciens, je les ai déballés, mais jamais utilisés. Et les nouveaux, je les ai juste achetés, jamais déballés. Donc voilà, et puis en tant que bonne psychopathe, j'avais même acheté celui-ci en deux fois, puisque le noir et blanc, c'est ce qu'on utilise le plus. Bref, voilà. Pour un premier truc. Deuxième truc, j'étais en train de me servir de ma plaque de tamponnage. Sauf que j'ai perdu mes aimants et j'ai acheté donc celle-ci de chez Action. Et j'étais en train de me dire, tiens, je vais l'ouvrir pour prendre les aimants qui sont dedans. La fille qui a vraiment, vraiment besoin de matériel. Donc là, je la déballe avec vous pour la première fois. Et voilà, et je récupère les aimants qui sont... Voilà, je me suis arnaquée en plus. Ils sont peut-être en dessous. Ah si, ils sont en dessous. Ouf. Donc voilà, il faut savoir que cette plaque de tamponnage coûte genre 4 euros, que les aimants tout seuls coûtent 5 euros. Donc si vous achetez ça, vous payez moins cher que d'acheter les aimants. Donc voilà. Hop, je vais pouvoir... mettre les aimants sur ma plaque. Je vais pouvoir faire mon petit truc. À la base, si je voulais faire un tamponnage, c'était parce que j'ai acheté ces feutres et je voulais les tester. Donc, c'est un petit peu l'imitation des chaméléons. Sachant que j'ai les chaméléons, ben, on va regarder ce que ça donne. On va regarder la différence. Et puis, j'ai acheté aussi ces petites beautés là, des petites encres à alcool. Et j'attendais de m'acheter de l'alcool. Oui, je vais m'acheter de l'alcool pour pouvoir les essayer. J'ai compris que ça s'utilisait avec de l'alcool, donc voilà. Donc là, je suis à fond, je suis au taquet, je suis debout. J'ai mon pistolet, on va faire de l'embossage. Il me faut une feuille. Et puis, parce que j'ai un truc exprès, mais je l'aime pas. Donc je veux une feuille. Là, j'ai un bout de feuille. Ça fera l'affaire. Donc, je vais prendre cette encre blanche de chez Action qui est toute neuve. Et je vais la tester. On va voir si ça donne des promesses. Peut-être que j'aille un peu plus vite. Ça va avoir le temps de sécher avant. J'ai vu sur internet que ça marchait en embossage, alors on va tester ça tout de suite. Tac. Je tamponne. J'espère que ça va bien tamponner partout. C'est exactement la première fois que j'utilise également ce tampon. C'est un tampon comme ceci des ateliers de Karine. Voilà, je vais voir ce que c'était. Alors... Je tamponne bien, je regarde. Je ne vois absolument rien sur ma feuille, donc contente. Voilà, je vais mettre de la poudre à embosser et on va voir si ça donne quelque chose. Je ne sais pas trop ce que je fais là exactement, mais... Bon, ça a l'air d'avoir donné quelque chose quand même. Et donc là, je vais le chauffer tout de suite. Bon, voilà, je vous ai évité la phase nettoyage. Et donc, voilà ce que ça donne une fois embossé. Donc, je range. J'ai tout nettoyé. Hop, c'est coriace. Voilà, je vais ranger ce joli tampon. Des essais après avec toutes mes encres là, mais là on va regarder autre chose.
Attends, je pose ça là. Voilà. J'avais envie de tester les feutres à alcool, un peu style chaméléon, en faisant des dégradés de marron et beige. Bon, ça ne veut pas s'ouvrir. Avec le mix des couleurs. Voilà. Donc, je me suis dit qu'on allait essayer ça. Après, je regardais s'il y avait un orange pas mal mais, ou un jaune. Mais non, je préfère me cantonner à ça. Et après, on va regarder avec les chaméléons. Les petits chaméléons qui sont assez poussiéreux, puisque je les utilise absolument jamais. Et donc, on va essayer après avec des teintes un peu pareilles. Brun, chocolat, peut-être nude. Voilà. Comme ça, vous voyez, on a à peu près les mêmes couleurs. Et on va regarder la différence. Je vais reprendre peut-être une autre feuille pour faire des petits tests avant de me lancer sur mon tampon. Hop là. Donc, j'ai pris aussi de chez Action ce bloc. Quitte à faire une vidéo Action, autant y aller jusqu'au bout. Bon, voilà, ça c'est très mal déchiré. Hop, donc j'ai pas fait la plaque de tamponnage, mais on va essayer ça. Donc d'abord, je vais faire le mix de couleurs. Donc on a un gris comme ça. Donc le blanc, c'est pour, c'est la base en fait. J'aurais dû commencer par lui. Donc gris, comme ça on peut faire un dégradé de gris. Et là, donc on va avoir un beige. Un peu plus beige et un peu plus marron. Voilà, on va regarder ce que j'ai pris en chaméléon. J'ai des gris en fait. Et j'ai moins de choix de couleurs quoi. Et ça, j'ai payé ça 100 € quoi. Bon, allez, où la mine, elle est là. Donc là, je suis sur du gris. C'est pas tout à fait les mêmes pointes. Hein. Puis là, vous avez le diluant à chaque fois qui est pris avec. Donc, qu'est-ce que j'ai dit pour les couleurs? Ça, c'est peut-être un peu nude. Ouais. Ça, ça va correspondre au deuxième, je pense. Je vais essayer de faire des lots. Alors ça, ça va avec quoi? Bah, ça, c'est carrément presque le marron, quoi. Du coup, ceux-là, ils vont être beaucoup plus foncés. Ouais, celui-là est plus foncé. Ah bah, celui-ci, c'est même pas la peine. Bon, hop. Je vais faire vraiment des comparatifs à peu près pareils. Donc, je vous montre un petit peu déjà le rendu. Les chaméléons et les actions. Vous allez me dire, il n'y a pas une grosse différence. Hein. Pour l'instant, comme ça, à vue d'œil, il n'y a pas de tâches, pas de choses particulière vraiment. Et juste celui-là qui n'a pas d'équivalent. Et gris, bah en fait, il est entre les deux. Il est entre les deux, on va dire peut-être le plus clair. Donc je vais essayer des dégradés avec les deux et on va voir. Sachant que donc celui-ci est censé dégrader ça. Et les chaméléons sont autonomes avec. Ils ont chacun leur diluant dans chaque stylo. Si vous vouliez la différence quoi. Alors je vais commencer par le gris. Donc le gris, on va commencer avec le chaméléon comme je sais comment faire. Hop. Donc vous avez votre diluant, vous le mettez donc la tête en haut. La tête en bas plutôt, et celui-ci la tête en haut, et vous appuyez dessus comme ça, et vous laissez donc 1, 2, 3, 4, 5, hop, 5 secondes. On va faire notre dégradé. Voilà. Je
pense que c'est à peu près bon là. Hop, donc on y va pour le gris. Et là, on va essayer avec le action. Donc, on va faire la même chose. Tac, tac. Donc, je vais les positionner. Là, c'est un petit peu plus périlleux parce qu'il n'y a pas le support qui les coince bien l'un avec l'autre. Donc, on y va. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, normalement, c'est la même dilution. Je fais exactement pareil hein, et on va voir ce que ça donne. Après, c'est pas tout à fait le même gris. Voilà, je vous montre la différence. Donc, vous avez là le action et là le chaméléon. Je ne sais pas lequel dégradé vous préférez. Il est un peu moins violent chez action. On va essayer avec un marron et après, je me lance dans mon truc. Là, je suis en train de me rendre compte que c'est encore de la poudre. Attendez. Bon, voilà, j'ai réchauffé vite fait au gun parce qu'il restait de la poudre qui n'était pas mise. Donc, on commence. On fait avec, donc, par exemple, c'était ce marron. Il fait quoi, celui-là? Oui, c'est celui-là. Donc, on y va avec celui-là. Donc, on fait la même chose. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Tac. Et on y va. Je suis concentrée. Ouais, je suis pas convaincue là de mon chaméléon. Hein. On va voir avec celui de chez Action. Hop, on fait pareil. 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, je sais pas quoi en penser, franchement. Je suis un peu dégoûtée, en fait. Je suis peut-être nulle en chaméléon, sans déconner, mais je trouve le résultat de chez Action plus beau. Oh là là, franchement, c'est la honte. La honte sur moi, parce que ce truc, je l'ai payé 100 balles. Alors que ça, j'ai... Donc là, j'ai combien de crayons? 6. 4 x 6, je sais pas combien ça fait 24. 24, sachant qu'il y a un blender à chaque fois, donc en fait vous en avez que 5. Donc j'en ai que 20. Donc 20 crayons comme ça. Ici j'en ai combien? C'est pas écrit sur la boîte. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. J'en ai 20 aussi. Sauf qu'il y en a un qui m'a coûté 8 balles et l'autre 100 balles. Enfin, voilà quoi. Je vous laisse faire le calcul. Alors, même si vous avez un blender 20 fois, plus le blender comme ça, plus le noir, ça pique un peu. Je vais vous montrer quelque chose qu'on peut faire avec les chaméléons et je vais essayer avec, avec l'autre, en fait. On est parti sur un test feutre, là. Donc là, c'est chaméléon. Je vais venir blanchir une petite partie ici. On va faire une petite croix. En fait, c'est un diluant, donc ça va venir avec l'alcool retirer le pigment. Donc avec chaméléon, vous pouvez faire... blanchir en fait une partie. Si vous voulez faire une ombre par exemple, vous pouvez venir retirer de la couleur comme ça. Je vous montre, je l'ai fait là et on va voir si on peut faire pareil. Et en fait on a aussi ce crayon là qui est avec des pointes très fines comme ça et comme ça.
pour venir écrire dedans. Donc par exemple, je fais un C dedans, tac. Ça c'est bien, vous faites ça avec un autre crayon basique. Où est-ce qu'il est mon crayon noir? Voilà, j'ai un autre crayon noir. Normalement, si on le fait pareil, ça bave. Ça fait un truc bizarre, quoi. Ça s'effiloche légèrement, mais bon, c'est pas non plus. Ah si, si, si. Ça commence à baver et à faire dégueulasse. Alors que ça, au moins, c'est clean, clean, clean. Et donc, on va essayer avec le blender de chez Action. Donc, vous avez un blender pour quatre couleurs, par contre. On va essayer de faire une croix là-dedans. J'ai pris plus clair. On verra peut-être mieux dans le foncé. Hein. Bah, j'ai envie de vous dire, c'est un peu dégueulasse, mais ça marche quand même. Hein. C'est un peu plus dégueulasse, par contre. Hein. Ça vous fait un truc derrière de fou. Mais si vous voulez faire des petits ombrés, quoi, vous pouvez, mais c'est qu'en même temps, on n'est pas du tout sur la même pointe. Hein. On n'est pas du tout sur la même catégorie. Celui-ci est quand même un peu plus compétent, c'est vrai. Mais pour la différence de ouf de prix, si vous n'avez pas le budget pour vous acheter des chaméléons, franchement, ceux-là, ils sont pas mal. Hein. Je suis assez contente. Donc, bah, puisque j'étais partie pour tester, pas mes chaméléons, mais ceux de machin, de chez Action, on va y aller comme ça. Donc, moi, je vais prendre ces deux beiges. Et peut-être que je vais même rajouter ce beige-là, qui est encore plus clair et qui n'est pas chez les chaméléons. Peut-être celui-là. Non, ça c'est le chocolat. Parce que celui-là, il peut carrément faire couleur peau, quoi. Celui-là, il est pas mal, hein. Enfin, peut-être que celui-là, pour couleur peau, c'est mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça, c'est peut-être un peu trop jaune. Ça fait peut-être chinois et là, européen. Je ne sais pas. Bon, bref, on va y aller. On commence toujours par le plus clair et après par le plus foncé. Et après, on revient faire des retouches pour fondre avec le plus clair. Donc, par exemple, si je veux venir hop, faire ça, je suis en train de colorier n'importe comment. Là, je ne suis pas avec de l'aquarelle. Hein. Claire, réveille-toi. Justement, c'est peut-être le moment de faire avec ça, là. Pour faire des floutés de contour. Flouter le contour. Attention, je fais des expérimentations. On va attendre de voir comment ça sèche, mais ça me paraît pas mal, hein. Voilà, et après vous pouvez prendre le plus foncé. Que vous pouvez venir mettre comme ça. Et après vous remettez du plus clair. Qui va venir faire en fait comme un fondu. Un fondu fondu. Je ne sais pas si vous trouvez ça beau mon truc. En fait, ça a bien fondu autour et parce qu'avant j'avais des grosses traces dégueulasses et là franchement c'est assez joli, j'aime bien. Je vais essayer la feuille d'à côté mais avec les chaméléons du coup. Hop, donc ça c'est le plus clair ou le plus foncé? Je sais plus du coup. Ça c'est le plus foncé. C'est le plus clair. Donc on va faire celle-là. Je sais pas, je me dis qu'à l'aquarelle c'est peut-être plus beau, mais j'avais tellement envie de tester. Je ne suis pas du tout une pro du dessin, mais là j'avais envie de m'amuser avec ça. Et donc je prends le blender. Attends, il y a un autre côté.
Et là, je vais venir estomper pareil le contour pour voir si ça floute un peu ce que je viens de faire. Alors, j'ai quand même fait un peu plus attention, je l'avoue. Donc, je vais foncer. Le milieu. Voilà. Vous voyez, hop. Et là, je vais revenir lisser. Je vais revenir fondre dans le décor. Voilà, je vais remettre un petit peu plus de foncé parce que là, ça a carrément fondu. J'avoue quand même, les chaméléons se mélangent beaucoup mieux, font un fondu beaucoup plus joli que le Action. Derrière, c'est un peu plus joli sur les chaméléons. Donc en fait, voilà, pour les dégradés, voilà, après, c'est faut de l'entraînement et tout. Mais je trouve quand même qu'ils tiennent la route. Et c'est quand même assez joli. Donc moi, je vais finir ce petit boulot-là tranquillement. Je voulais juste vous faire vraiment un comparatif. Et puis, du coup, je vais regarder les tamponnages. Je vais regarder quand même vite fait les couleurs comme ça, plus flashy. J'ai essayé de trouver des équivalents à chaque fois. Donc là, on a le rouge, par exemple. Qui là a vraiment du pigment. Et on va essayer donc un autre rouge. Sais pas si c'est très rouge, ça me paraît un peu plus framboise que rouge. Comme il n'y a rien d'écrit, c'est un peu la surprise. On va essayer. Donc là, ouais, carrément framboise. Par contre, le pigment est là. Ouais, c'est framboise aubergine. Là, il n'y a pas vraiment de rouge chez Action. Le chaméléon est vraiment un très très beau rouge. Mais il y a quand même beaucoup de pigmentation, donc je suis quand même contente. Et après, je vais essayer donc les verts. En tout cas, je suis hyper contente pour les fondus comme ça, automnales. Ils sont top. On va essayer un peu cela pour le côté feuillage et après air marin. Et j'ai trop envie d'essayer le pastel parce que je me dis du pastel n'existe pas chez Chaméléon. Après, peut-être que c'est une aberration d'avoir du pastel, qu'il faut diluer pour avoir du pastel sans arrêt. Mais là, comme c'est déjà dilué, bah, j'ai envie de vous dire, on gagne du temps quand même, hein. Coloris très très beau et en fait j'ai envie de vous dire, je fais que d'avoir envie de vous dire des trucs, mais en fait j'ai l'impression que mes chaméléons et les ceux d'Action sont hyper complémentaires parce qu'il n'y a pas du tout les mêmes couleurs. Donc là je pense que c'est mon plus clair, il pique les yeux. Franchement ça pique les yeux, direct. Un magnifique kaki. Et là, je pense que c'est quelque chose de fou aussi. Bon, c'est vrai que les chaméléons, toujours là. Et là, les actions, voilà quoi. Là, on a du vrai pigment de ouf. Là, c'est très pastel. Après, ça dépend ce que vous voulez en faire. En même temps, vous allez me dire, ces deux verres-là sont quand même très très proches. Donc, le plus foncé et le plus clair. Ces deux-là sont très très proches quand même. Il peut faire un dégradé parfait. Et les bleus. Allez, tant qu'à faire. Il y a des espèces de. C'est des espèces de bleu turquoise et tout.
Je vais tourner la feuille. Ça a l'air vraiment pas mal du tout au niveau des couleurs. Puis il manque pas d'encre. Hein. Ceux-là sont pas mal. Ils tirent vraiment vers le turquoise. Donc nous, on a un bleu roi. Ouais. Un bleu, c'est écrit quoi? Bleu violet, ça ne ressemble pas du tout à du violet. Et on a le sky blue. Peut-être que je vais horripiler les gens qui ont chaméléon, mais c'est très complémentaire avec ceux d'Action en fait. Vous pouvez acheter les deux. Pas mal, pas mal. J'aime bien celui-là. Il est très très beau, on dirait, vous allez rire, mais on dirait un vieux bleu. Je sais pas comment dire ça. Je sais pas, ça fait vieux bleu. Comme vieux rose, mais en vieux bleu. Je vais essayer les roses, tiens. S'ils pouvaient nous sortir un vieux rose, je serais trop amoureuse d'Action, là. Là celui-là, il est affreux, je l'utiliserai jamais. Ouais, bof. Les roses, ils sont un peu nazes. Pas terrible, quoi, les roses chez Action. Par contre, les bleus-verts, je valide. Donc, si je dois vous conseiller, je vous conseille ces deux lots-là. Ces deux lots-là. Les pastels bof-bof, vous pouvez les faire en diluant avec les couleurs. Et puis, les orange-jaune-rose, bof. Je vous conseillerais vraiment ces deux-là si vous voulez économiser et avoir des trucs vraiment utiles pour avoir les bruns marron-gris. Ça, c'est des indispensables. Et après, vous voyez, la mer, les feuillages, les arbres avec le marron, les feuillages, etc. Franchement, je pense que ces deux-là, c'est le combo parfait que je ne regrette absolument pas comme achat. Donc là, je suis inondée par les feutres et tout. Et après, je voulais regarder ces sacrés... je sais plus ce que j'en ai fait. Ces sacrés pads. Donc ça, c'est, je suppose, celui de l'année dernière, celui de cette année. Ils sont en gris tous les deux. Et donc, là, cette espèce de gris teal... Ça fait gris vert, il a l'air vraiment trop trop beau. Et quand je compare donc avec ceux de l'année d'avant là, celui-là et celui-là se ressemblent beaucoup. Mais là vous avez un noir métallisé, là c'est un noir mat. Et là vous avez un gris perle vraiment trop trop beau. Et ça, idéal pour faire des tamponnages presque invisibles. Quand vous voulez faire un petit truc assez discretos. Donc voilà pour comparer ça. Ensuite... Bah pendant que je parlais là de l'espèce de gris vert, vieux vert, trop beau. Là, les verts, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça je sais pas. Et peut-être à la rigueur celui-là. Et je regarde dans ce qu'il y avait l'année dernière puisque j'ai tout déballé. Ce vert-là, j'aime pas. Je sais pas pourquoi j'étais acheté ça. Ce vert-là, bof, aussi, j'utiliserai jamais en fait. Je pense que je vais les vendre. Ce vert-là, non. Clairement, et ce verre-là non plus. Donc, clairement, les verres, je les ai achetés pour rien. Par contre, ce verre-là et ce verre-là, je vais peut-être les garder. Donc, je vais mettre ça de côté là. Et ce que je vais mettre là, après, je vais vous mettre à vendre. C'est pareil pour les feutres à alcool. Là, peut-être que je vais vous vendre ceux que j'aime pas. Des fois, ça peut aider. Des gens qui n'ont pas Action près de chez eux, ils seront contents. Je sais pas. Ils sont tout neufs, je m'en suis pas servi. Donc, les violets, c'est sûr que je ne vais pas m'en servir, je vous les mettrai. Les bleus, par contre, je vais peut-être garder le noble bleu, mais le sweet silk, je ne vais pas le garder. Je vais garder, par contre, le lavender love de la dernière fois. Il est très, très beau. Normalement, ils sont par 4, quoi. Celui-là, je pense, je vais le garder aussi. Donc, 1, 2. Donc, il y avait quoi avec ces bleus avant? Ah bah, les violets. Donc, ça doit être ces bleus et violets, je pense.
Donc ça doit être ces deux violets là que je ne vais pas garder non plus. Voilà, comme ça c'est fait. Ce bubble gum pink, on dirait un rouge, il a l'air trop beau. Je pense que celui-là, je vais le garder. Clairement, là, dans les nouveaux, je vais garder que le 35. Les autres, bof, bof, ou peut-être le 33. Donc celui-là, je garde. Le Juicy Watermelon, clairement, je préfère le nouveau. Donc celui-là, non, je ne le garde pas. Cherry Blossom pailleté comme ça, je vais le garder. J'avoue, j'avoue. Ça, c'est niette, je ne vais pas garder. Je n'utilise pas de couleur fluo comme ça. Et ce rose-là, je ne sais pas. J'hésite entre les deux à voir. Jaune, clairement, j'en ai un là de chez Infocréa. Donc le jaune, c'est mort. Je ne vais pas le garder. Le orange, bah, je ne vais pas garder celui-là, c'est sûr. Et celui-ci, je vais peut-être le garder. Ou alors, je vais garder celui-ci, le Ginger Spice. En fait, je préfère les nouveaux que je n'ai pas ouverts. J'aime pas les anciens, en fait. Je vais garder les classiques. Et je vais garder le Cherry Red aussi. En fait, je garde à peu près les roses, les bleus, les noirs. Le gold aussi, je vais le garder. Je ne sais pas lequel sera le plus beau de ces deux-là. Je sais pas, à voir. Et ce vert-là aussi, je vais pas le garder. En fait, je garde aucun vert, je les aime pas. Après, ça, c'est des Memento, je les garde. Et le silver, je le garde. Donc voilà, comme ça, j'ai fait un tri. Donc, tous ceux qui sont juste ici, je ne vais pas les garder clairement. Je vais garder que ceux-là. Qui sont dans ma boîte là, je vais garder ceux-là, je vais sans doute garder ceux-là, je vais garder la moitié de ceux-là et je vais garder le orange foncé de celui-ci et l'ancien doré. Tout le reste, je vais le mettre sur Vinted, j'en veux pas. Ou si vous voulez m'envoyer un message avant que je le fasse parce que vous les voulez. Et voilà, 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 je pense que j'ai tout fait. Puis après, ces trucs à alcool, bah, on verra plus tard pour faire un essai. Là, je pense que déjà, la vidéo doit durer au moins 35 minutes. C'est une horreur. Bon, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo, en fait, dans le feu de l'action, là, j'étais en train de faire du bazar et je voulais faire des tests. Et du coup, je me suis dit, allez, tiens, je les embarque avec moi pour une fois, plutôt que de faire mes trucs toute seule dans mon coin. Et voilà, voilà. Plein de bisous et à très bientôt pour la suite de mes aventures.